Tu fais le clap? Alors, comment tu t'appelles? Vas-y, dis. Dalila. Jordan. Alicia. Diana. Jorgi. Rose. Mondi. Ogendoer. Nan. Est-ce que tu peux nous présenter ta famille? Moi, Rose, Amanda, Ashley, Benji, Coralie, et Sinaï, Lindsay, Jorgi, Didi, Mila, Chichi. Joseph, mon père. Rebecca, ma mère. Manu, mon frère. Il y a mon père là. Ma mère. Moi. Il y a Charlène, ma soeur. Ma grand-mère. Mon grand-père. Mon frère. Tina, c'est ma grand-mère. Marina. Ma mère. Bernard, mon père. Sonia. Ouais. Elle est mariée. Elle est mariée? Elle a eu des enfants? Oui. Comment ils s'appellent? Théo et Justine. C'est ma petite sœur. C'est ta petite sœur. Elle s'appelle comment? Chaynice. C'est ma nièce. D'accord. Comment elles s'appellent? Sarah et Myriam. D'accord. Vas-y, tu nous... Est-ce que tu te souviens d'un baptême? Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Dans une église. À quel baptême tu as été? De tous les enfants. C'est qu'on a fait des baptêmes des fois. Il y en a qu'on a fait des baptêmes et il y en a qu'on n'a pas fait. Est-ce que tu as déjà assisté à un mariage? Non. Et un baptême? Non. Et un enterrement? Non. Tu sais si elle a été baptisée? Non, pas encore. Non. Comment on baptise dans ta famille? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, t'as un rachat. Et il a un gros bac et il y a de l'eau bénite. Et il met la tête d'un petit dessous et il prend un pichet et il vide de l'eau bénite. Et après, il lève et c'est qu'il est béni. Eh bien, on met dans l'eau et... Ah, le baptême du Saint-Esprit. Ça se passe comment? Eh bien, on est habillé comme un mariage, mais sauf on a une grande robe de mariage sur nous, juste pour les femmes. Et les hommes, ils sont habillés en costard blanc. Ils nous plongent dans l'eau et disant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise. Et ils nous jettent dans l'eau et nous relèvent. Comment t'imagines ce baptême? Beau, dans une petite robe, ça serait. Ma famille tout en blanc. Et voilà. C'était les lunettes de qui? Mon papy. On était en enterrement, il y avait ses frères. Ses soeurs, ses filles et ses fils. Tu te souviens comment ça s'est passé? Ouais. Comment il y a eu une cérémonie? Ouais. Comment ça s'est passé? Ben, on vit dans une caravane et comme on est mort, on la veille. Et comme c'est le jour du. Comme les machines dans le caveau, il a le machin qui passe le char. Pour amener le caveau. Oui, on a été au cimetière, mais on ne voulait pas y aller à l'église. Est-ce que vous avez chanté? Non. Personne n'a chanté? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez mis des fleurs? Oui, des fleurs, oui. Vous avez marché? Vous étiez habillé en noir? Tout en noir. Tout le monde en noir? Oui. Vous avez chanté des chansons? Oui. C'était quoi comme chanson? Des chansons chrétiennes. Pour le jour de la mort, si on chante. Ouais. On chante des chansons de Seigneur. Tu as les paroles de la vie éternelle. Par une belle journée où le soleil brillait, un vent léger me caressait, pas un nuage en vue, mais brusquement sans prévenir. L'orage, je suis dans ma vie. Je sais qu'il est trop près pour calmer mes frayeurs et me rendre ma joie. Quelqu'un parle de paix. Oui, je connais, oui, je le connais. Je connais le prince de paix. Et son nom est Jésus.
Est-ce que ton frère, il s'est marié? Oui. Oui? Tu étais à son mariage? Oui. Tu peux me raconter comment ça s'est passé? Ben, il était prendre sa copine. Et on a fait une... Comment ça, il a été prendre? Tu peux me raconter? Avec la voiture, avec mon cousin. Il était avec moi, avec mon cousin. Il a été là-bas, ça habite à Issoire. Il était là prendre et puis ben, il s'est marié. Mais je ne sais pas comment, mais par contre, il m'a raconté ça. Mes cousins et son mari, mes cousines. Comment ça s'est passé? Bien. La cérémonie, elle était comment? Bien. C'était le mariage de ma cousine. Ouais. Comment ça s'est passé? Bien. Ouais. Mais il y a eu une guerre vers minuit, 1h du matin. Il y a eu quoi? Une guerre. C'est battu. Donc t'es jamais allé à un mariage? Si. Si? De qui? Céline. De Céline? Tu te souviens comment ça s'est passé? Bien. Tu peux me raconter un peu comment ça s'est passé, ce mariage? Elle avait une belle robe? Ouais. Comment ils étaient habillés, les gens? La robe, elle était blanche. Le costume de Noël était gris. Ils avaient des bijoux? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mangé? Oui, on a mangé des gâteaux. Ils étaient comment, ces gâteaux? Toutes sortes, il y avait. Tu as assisté à son mariage? Oui, c'est pas encore. C'est pas, elle s'est pas encore mariée? Si, elle est mariée, mais ils n'ont pas fait encore. Ils n'ont pas fait la cérémonie encore. Voilà. Tu veux te marier plus tard? Non. Non, tu veux pas te marier? Est-ce que tu as un amoureux? Non. Tu voudras te marier? Oui. Et comment tu veux qu'il soit ton mariage? Est-ce que tu y as déjà pensé à ton mariage? Non. Non, jamais. T'as un amoureux? Oui. Tu as envie de te marier plus tard? Non. Non, t'as pas envie de te marier? Tu aimes bien les mariages? Oui, ça va, madame. Tu as envie de te marier plus tard? Peut-être, oui, madame. Peut-être? Est-ce que tu as une amoureuse? Non, pas encore.